que je dis, j'ai pas rien à dire par rapport. Mais vous, vous savez tout ce qu'on va dire. Vous êtes avec CLAC. Non, je suis pas avec la CLAC, justement. C'est juste une initiative populaire. Ah. Donc, c'est pour ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses qui va suivre cette démarche ici, qui recommence maintenant le mouvement étudiant, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est plutôt mitigé par rapport à ça. J'en ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Parce que en ce moment, on n'a pas vraiment le contrôle à cause du sommet, comme pour la raison pour laquelle on est ici. Et je sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Si ils vont dire qu'il y a une hausse ou une indexation qui va sûrement avoir, je sais pas si le printemps va revenir parce que les gens se sont rendus à bout un peu. Et parce qu'on est comme un peu curieux de se battre, ça fait comme si ça, ça a pris 6 mois de grève pour en arriver justement à un gel, une indexation, désolé. Donc, pour vrai, je suis un peu déçu de la part du gouvernement. Là. Surtout qu'il était des calices d'opportunistes. Ouais. Il faut vraiment que ça sorte parce qu'ils portaient le carré rouge durant tout le temps. C'est qui les opportunistes? Léo Bédouin? Pardon? Léo Bédouin? Ah non, celui-là aussi, là, mais je parle de toutes les personnes qui sont dans le PQ qui portaient le carré rouge durant la grève contre Charest et maintenant, ils ne le portent plus, ils l'ont ôté. Puis justement, après, tu sais, on s'est battu contre la hausse, puis ils veulent nous offrir une indexation qui est pire qu'une hausse parce qu'elle apparaît pas. Je trouve que c'est vraiment opportuniste. Là. Ouais. C'est dégueulasse. Oui, à la même fois que les bourses et les prêts ne sont pas indexés contre l'inflation. Non, c'est ça, mais j'ai peur. C'est sûr que ça va être leur décision sûrement. Puis j'écoutais ça aujourd'hui, le sommet, parce qu'il est disponible en streaming sur Internet. On peut suivre le sommet. Oui. Et la discussion, on voit vraiment que c'est juste des relations publiques. Là. Ils font juste parler de sujets en profondeur. Ils laissent une limite de temps pour chaque débat, alors que ça devrait être moins encadré que ça. Là. Donc, c'est pas mal ça que j'ai à dire. OK, merci bien. Ça va bien. OK, bien, maman. OK, parfait. Oui, très bien. Bonne chance, là.